Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au programme de cette édition, l'assassinat d'un ermite franciscain en Syrie, un pays dont la crise a de graves répercussions sur le Liban, son voisin. À en croire certains diplomates, le pays du Cèdre pourrait être entraîné dans la guerre au cours des prochains mois. Nous en reparlerons dans quelques minutes avec nos invités, Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient. Bonsoir Mgr, merci d'être là avec nous. Bonsoir. Et Antoine Nouis, directeur de la rédaction de Réforme, l'hebdomadaire protestant d'actualité. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Avant de traiter de ce dossier, nous reviendrons sur l'actualité centrafricaine et la torture dans le monde. Nous parlerons aussi des prochaines ordinations sacerdotales, de l'euthanasie en Belgique et de la situation du maire d'Arkhang qui résiste à la loi Taubira, maire que nous sommes allés rencontrer ce matin même dans son village. Nous évoquerons aussi le soutien à Nicolas, le jeune manifestant de 23 ans, toujours emprisonné à Fleury-Mérogis. Parmi les 100 000 morts de cette guerre civile en Syrie, le franciscain François Mourad a été assassiné dimanche dernier par des rebelles venus piller le couvent de Gassanié, un lieu où l'ermite syrien de 49 ans était venu se réfugier et apporter son aide. Lundi, vous le voyez, la custodie franciscaine de Terre Sainte à Jérusalem a appelé à prier pour son âme. Vous retrouverez cela lundi dans Terra Sancta News à 19h35. De son côté, le Vatican, par la voix de la Congrégation pour les Églises orientales, a réagi à, je cite, « ce meurtre barbare » et souhaité que se réveille la conscience des différentes parties en conflit, comme de la communauté internationale. Ce couvent se trouve près de Homs, la ville où se trouve la paroisse du père Ziad Hilal, que nous avons l'habitude de retrouver dans ce journal. Il nous donne des nouvelles. Comme chrétien, on ne peut pas être à part. Par rapport à la situation, on est comme les autres, ça veut dire, moi je dis, nous sommes ce peuple qui est le peuple syrien. Donc on subit ce qu'ils subissent et on vit comme ils vivent. Mais je peux dire que les dernières nouvelles qu'on a eues par rapport à kidnapper deux prêtres, après kidnapper deux évêques, c'était vraiment... des inquiétudes aux chrétiens aujourd'hui. La question de l'enlèvement devient de plus en plus difficile pour nous parce qu'on n'a pas de solution. Maintenant, j'évite moi-même d'aller dans quelques routes ou quelques chemins parce qu'on ne sait pas quand on va voir des voyous ou... des bandes qui vont enlever les gens ou pour l'argent ou aussi pour échanger ou pour d'autres choses. Donc il y a vraiment cette inquiétude, non seulement pour moi, pour tous ces Syriens, parce que tout Syrien est visé aujourd'hui. Nous sommes toujours sans nouvelles des deux évêques orthodoxes dont parle le père Ziad qui ont été enlevés à Alep le 22 avril dernier. En Centrafrique, la situation dégénère encore, 3 mois après le coup d'État. Les anciens rebelles de la Séléka, arrivés au pouvoir le 24 mars dernier, continuent de voler, brûler et tuer en toute impunité. Mgr Dieudonné Zapalinga, archevêque de Bangui, était de passage à Paris en début de semaine pour rencontrer les autorités françaises du Quai d'Orsay. Il fait le point au micro d'Olivier de Kerenfleck. Des hommes, des femmes ont perdu la vie. Le tissu social est détruit, le tissu industriel détruit. Tissu économique aussi. Et je pense qu'il est temps aussi pour les pays voisins de prendre leurs responsabilités, adresser des messages clairs et nets à tous ceux qui ont pris le pouvoir actuellement pour qu'ils puissent se comporter en hommes d'État, pas comme en rebelles. Hier, ils étaient rebelles. Aujourd'hui, ils sont responsables. Ils doivent assumer leurs responsabilités, diriger un pays avec des codes et des règles bien claires par le respect des droits de l'homme. La véritable solution viendra quand on acceptera de dialoguer, quand on acceptera de parler. Sinon, eh bien, nous aurons toujours cette insatisfaction, la revanche, les vengeances, elle sera l'éternel recommencement. Ce 20 juin, les évêques de Centrafrique ont écrit une lettre au chef d'État centrafricain Michel Djotodia pour dénoncer ses exactions et apporter des propositions pour redresser le pays. Un monde tortionnaire, c'est le nom glaçant du rapport 2013 de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui vient de rendre ses conclusions. Torture physique ou psychologique pour obtenir des aveux ou faire taire. Ces pratiques touchent l'ensemble des continents et aucune amélioration n'est à signaler. C'est ce que nous explique Cécile Marcel, directrice des programmes de l'ACAT France. La plus grande proportion des victimes de torture sont malheureusement les délinquants de droit commun, les prisonniers de droit commun, les personnes qui sont arrêtées par la police, amenées au commissariat pour y être interrogées et passées à tabac, torturées afin d'obtenir d'elles des aveux. C'est
pas forcément les prisonniers politiques, ce n'est pas forcément les résistants, mais c'est avant tout la masse sombre des délinquants qui croupissent dans les commissariats et les prisons du monde. C'est un phénomène qui est ancré dans les pratiques anciennes de la police, de l'administration pénitentiaire, des forces de l'ordre, et qu'il est très difficile de faire évoluer. J'ai rencontré récemment un militant des droits de l'homme pakistanais qui me disait en Pakistan, on ne peut pas travailler sur la torture, c'est beaucoup trop large. C'est tout le monde qui passe par la police est torturé. Alors, comme vous le savez, le mois de juin est celui des ordinations sacerdotales, notamment à la proximité de la fête des Saint-Pierre et Paul. En France, 130 hommes seront ordonnés cette année. Parmi eux, Antoine Néouze, ordonné pour le diocèse de Paris. Pour moi, en tout cas, c'est d'abord une immense joie, parce que ça fait longtemps que j'aspire à être appelé, effectivement, ce long temps du séminaire. Et voilà, il y a quelque chose d'inouï, d'incroyable, d'être ordonné prêtre dans l'Église et d'être appelé au service de l'Église. On devient prêtre en étant prêtre, on ne peut pas deviner ce que l'on sera et on peut toujours s'entraîner. Ultimement, quand on offre le sacrifice de la messe, quand on célèbre la messe, on est ce qu'on reçoit à ce moment-là. Donc, alors évidemment, on lit, on apprend, on répète, mais il y a quelque chose, tant qu'on ne célèbre pas la messe, on ne peut pas s'entraîner à célébrer la messe. Je crois qu'il y a quelque chose qui est donné pour ceux à qui seront en face de nous à ce moment-là. Hier, à Paris, le BICE, le Bureau catholique international de l'enfance, a fait plancher ses congressistes sur la justice juvénile. La tendance actuelle dans le monde est-elle, comme en France, de considérer les mineurs comme des adultes et de les punir comme tels? Réponse de Alessandra Ola, secrétaire générale du BICE. En Occident, il y a une tendance effectivement à vouloir baisser l'âge minimum dans lequel un mineur est considéré responsable pénalement. Ce qu'on voit aussi dans nos sociétés, c'est un durcissement de la sanction. Il y a aussi des situations, je dirais, beaucoup plus dures et beaucoup plus graves, notamment en Afrique, où la situation aussi économique fait que ce n'est même pas une question d'être, disons, dans quelles conditions on est détenu, parce que nous voyons, nous sommes présents comme BICE, en RDC, en Côte d'Ivoire, les enfants ont, si tout va bien, deux repas chauds par semaine dans la prison de Kinshasa, un repas par jour, si tout va bien, à Abidjan. Donc vous comprenez que dans des situations comme ça, on va déjà devoir intervenir pour un appui alimentaire. Et après, on pourra parler des mesures de réinsertion éducative, d'accompagnement psychosocial. En bref, une marche contre la pauvreté pour la dignité aura lieu demain à Paris, au départ de la place Saint-Michel. Un événement organisé par le Secours catholique avec des personnes concernées. L'idée, interpeller l'opinion et les pouvoirs publics vivant des situations de précarité. Nous en reparlerons. Comme chaque semaine maintenant, voici notre petit saut à Rio où les JMJ auront lieu dans moins d'un mois. Les manifestations sont encore dans la rue malgré les promesses de la présidente Dilma Rousseff. Un appel à la grève générale a été lancé via les réseaux sociaux pour le lundi 1er juillet. Doit-on s'inquiéter pour les JMJ? Réponse du père Éric Jacquinet. Il est responsable à Rome de la section jeune du Conseil pontifical pour les laïcs. Et à ce titre, il s'occupe de la préparation des JMJ. Pour l'instant, nous, on invite au calme et... les parents et les jeunes n'ont pas à s'inquiéter. On verra d'abord comment le mouvement évolue. Là, le mouvement semble perdurer. Et en même temps, il y a une réponse du gouvernement brésilien qui semble assez claire et donc qui, peut-être, aplanira les difficultés dans les jours qui viennent. Et c'est pas nouveau, d'ailleurs, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire des JMJ, la toute première JMJ a eu lieu en Argentine en 1987, après des années de crise politique et sociale, et le pape Jean-Paul II a eu des paroles très très fortes, invitant les jeunes de l'Argentine de l'époque de s'engager dans la reconstruction du pays. Et donc, à un moment, on prend la mesure que c'est un pays qui souffre, dans lequel on va, et donc sans doute que l'Église a un rôle à jouer et que les jeunes ont une prise de conscience à faire du fait que l'Évangile est annoncé dans ce monde qui souffre. Mercredi, en France, Jean-Michel Collot, maire d'Arcangue dans les Pyrénées-Atlantiques, a été visé par une plainte pour discrimination. Elle a été déposée par les deux hommes empêchés de se marier dans sa mairie. Après l'intervention du ministre de l'Intérieur et du préfet, il persiste dans sa décision et a sollicité un entretien avec Manuel Valls. Ce matin, nous sommes allés à sa rencontre dans son village. Un reportage de Marine Wolf.
Ce petit village est administré par Jean-Michel Collomb depuis 30 ans. À 68 ans, il arrive à la fin de sa carrière professionnelle et publique. Alors son refus de marier un couple homosexuel dans sa mairie n'est pour lui en rien une stratégie politique. Moi, je ne suis pas du tout dans une démarche de carrière politique. C'est une position difficile à prendre. Et il y en a qui sont déjà dans la problématique de leur réélection, donc ils ne savent pas qu'est-ce qui est le mieux. Si on était sûr que c'était le mieux, on y serait. Et comme on n'en est pas sûr, et bien on ne bronche pas, on reste entre deux. C'est un choix. Les pressions politiques sont fortes, mais pour le conseil municipal, le plus difficile sont les coups de fil, les mails et les lettres qui arrivent par paquet chaque jour. Parfois, ces courriers sont virulents, comme ce dessin reçu hier encore. À Saint-André, je vire les tableaux. Je ne savais même pas qu'il y avait un problème de tableau. À Arcangue, ici, mon ami Colo, les homos. Moi, ce qui me heurte, c'est les gars qui sont sous des pseudos. C'est pas qu'il faudra changer, moi je changerai pas, mais je peux pas emporter mon village, mes adjoints, mon conseil municipal dans un espèce d'entêtement qui serait pas compris peut-être aussi, y compris par des gens d'ici. Je dis pas que c'est le cas encore, hein, j'anticipe un peu, mais je sens quand même qu'il y en a qui aimeraient que ça s'arrête. Ou dans le village ? Non, dans le conseil. Les journalistes les appellent chez eux, les déstabilisent, ils n'osent pas répondre, ils ne savent pas ce qu'il faut réellement dire. Pourtant, sa détermination est intacte, les lettres de soutien abondent aussi. Voilà les pour. J'avais pris ma position, mais si vous voulez, ça a permis d'entretenir le feu sacré, et peut-être quelque part de se dire on ne peut pas reculer n'importe comment, ou on ne peut pas s'arrêter n'importe comment. Donc oui, en respectant la confiance mise par les gens dans cette attitude. Pour sa désobéissance, Jean-Michel Collomb encourt jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison, des risques qu'il connaît depuis le départ et qu'il ne craint pas. Je ne changerai pas, autrement je ne serais pas parti. Si j'avais eu un petit doute sur mon action, je ne serais pas parti. Non, non, si j'avais eu un tout petit doute, j'aurais réfléchi. Et puis, vous savez, quand on réfléchit trop, finalement, on n'est pas un homme d'action. Moi, j'agis. Voilà. Il n'est pas le seul maire dans cette situation. Mardi dernier, Jean-Yves Clouet, le maire de Mésanger, en Loire-Atlantique, a lui aussi réaffirmé son refus de célébrer un mariage homosexuel. En bref, à ce sujet, hier, la Cour suprême des États-Unis a invalidé une partie de la loi fédérale de défense du mariage et le refus de la plainte de militants contre le mariage gay en Californie. Un jour tragique pour le mariage et notre nation, a estimé la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. Mardi soir, place Vendôme à Paris, une forme de manifestation originale a vu le jour, le veilleur debout. En réponse à l'interdiction de se rassembler et de manifester contre le mariage pour tous et l'incarcération de Nicolas Bernardus, ces jeunes gens ont choisi de se retrouver devant le ministère de la Justice et aussi devant le palais de justice et de se tenir debout sans se parler, lisant ou écoutant leur MP3, à plus de 2 mètres les uns des autres. Cette façon de protester a dérouté les autorités qui n'ont trouvé d'autre réponse que de raccompagner tout ce petit monde dans les transports en commun. Ces derniers soirs, les veilleurs debout, le veilleur debout a continué son action à Paris, mais aussi à Lyon et à Rennes. Toujours en lien avec Nicolas Bernardus, 600 personnes se sont retrouvées dimanche soir sur l'île de la Cité pour exprimer leur sentiment d'injustice suite à l'incarcération du jeune homme. Un rassemblement où l'on n'a pas vu les habituels porte-parole de la Manif pour tous. Manif pour tous qui dénonce elle aussi les conditions d'incarcération de Nicolas et prépare une pétition et une action pour le 30 juin. On le voit, la situation reste tendue. Aux environs de Lyon, on a vu un prêtre se faire emmener au poste pour contrôle d'identité après avoir interpellé le préfet à propos du mariage pour tous lors de la visite du ministre de l'Intérieur. Un peu en retrait de ces événements, un courant du nom d'écologie humaine a vu le jour samedi dernier à Paris. Près de 500 personnes ont participé à ce rassemblement autour de Tugdual Derville et sa vision chrétienne de l'écologie. En écho à cette approche de la vie humaine et de sa protection de la conception à la mort, les choses avancent en Belgique autour des lois sur l'euthanasie. Dépénalisée en 2002, l'euthanasie revient dans l'actualité. En jeu, l'extension de la loi aux personnes atteintes de démence, mais surtout aux mineurs. Des auditions sur cette question ont eu lieu en commission des affaires sociales et de justice au Sénat belge. Et il semblerait que les lignes bougent. On écoute André Dubus, député du Centre démocrate humaniste de la région Bruxelles-Capitale. Je crois que il y aura toujours un courant, et un courant qui est fort et qui vise à reconnaître toujours davantage d'émancipation à la population et davantage de droits individuels portant précisément sur cette espèce de maîtrise permanente de l'homme sur la vie et sur la mort. Donc, je crois que le débat, il est loin d'être clos. Et je vois que, tant au sein des socialistes qu'au sein des libéraux, eh bien, il y a des voix qui s'élèvent et qui mettent en doute la pertinence
d'une extension de la dépénalisation de l'euthanasie à l'attention des mineurs. Pour nous, c'est nouveau. C'est la première fois que nous voyons ça dans des partis qui ont toujours été d'avant-garde et qui se sont toujours taxés de grands progressistes en la matière. La semaine dernière, nous vous parlions de la crue du gave de Pau qui a dévasté le sanctuaire de Lourdes. Bonne nouvelle, depuis vendredi dernier, la grotte est de nouveau accessible aux fidèles, tout comme l'accueil Notre-Dame qui accueille chaque année des milliers de pèlerins et qui a lui aussi réouvert ses portes mardi matin. Malgré tout, les travaux se poursuivent pour déblayer les piscines et pour réparer la passerelle qui enjambe la rivière. Sans transition, mardi, Jean-François Colosimo, le président du Centre national du livre, a remis sa démission à François Hollande. Cet orthodoxe, professeur à l'Institut Saint-Serge, a été nommé à la tête des éditions dominicaines du CERF. Il aura fort à faire, la crise que traverse le secteur de l'édition, spécialement l'édition religieuse, impose de nouveaux défis à relever pour continuer à servir et à soutenir l'intelligence de la foi. Voici venu le temps d'écouter la chronique du père Armogat. Les instances européennes s'occupent de la liberté religieuse et c'est une bonne chose. La Commission européenne des affaires étrangères a publié des lignes directrices. On peut les trouver avec d'autres projets sur Internet. Il est important de les lire. On y constate d'abord que la liberté de changer de religion apparaît dans ces textes. Elle avait été omise dans des versions précédentes. On constate aussi que les aspects d'intégration des religions dans la société se trouvent présents. Aspects éducatifs, aspects hospitaliers, aspects associatifs. On reconnaît aux personnes qui ont une religion le droit de se réunir, le droit d'éduquer leurs enfants, le droit d'être soignés en accordance avec leurs croyances, leurs convictions religieuses. Je crois qu'il faut être très attentif à ce qui est en train de se passer et qui va être discuté dans les prochains mois dans ces instances européennes. En particulier, ne plus rester sur l'opposition bipolaire entre religion et république, entre religion et laïcité, mais pouvoir, grâce à l'unité européenne, penser à une intégration des religions dans notre société, une laïcité ouverte, comme on dit, qui reconnaît aux religions leur rôle social, leur rôle éducatif, qui fait des religions de véritables acteurs dans notre jeu social et national. Merci Père pour cette réflexion sur la place de la religion dans les institutions européennes. Regardons maintenant ce que disent vos hebdos de cette première semaine de juillet, qui se résume en deux mots, Tours et Corse. Alors pour la vie, c'est le Tour de France cycliste qui débute et que l'on retrouve en une du magazine. Voici donc plus de 30 pages pour revisiter les 100 ans du Tour. On va finir par croire à l'arrivée de l'été. Avec Pèlerin, c'est la Corse qui fait la couverture, point de départ de sa série estivale sur la France mystérieuse et sacrée. De bons moments en perspective pour ses lecteurs. À noter, ces pages sur Lourdes, sauvées des eaux. Famille chrétienne est comme un mix des deux avec un Tour de France qui débute par la Corse. En effet, pour sa série d'été, le magazine a choisi de faire suer ses journalistes en les envoyant sur les routes de France à bicyclette. Plaisir de lecture et dépaysement garanti. Enfin, dans Réforme, la une porte sur Nelson Mandela, grande figure de paix qui n'eut pas un itinéraire toujours aussi rectiligne. Ouvrons maintenant notre dossier de la semaine. Dossier qui porte donc sur la situation actuelle au Liban. Monseigneur Pascal Golnisch, curé de la paroisse Saint-François de Sales à Paris, mais aussi directeur de l'œuvre d'Orient et fin connaisseur des pays du Moyen-Orient et des communautés chrétiennes, est avec nous. Et c'est à ce titre que nous vous avons invité ce soir pour parler avec Antoine Nouis, directeur de la rédaction de Réforme, de la situation instable au Liban. Monseigneur, que peut-on dire des conséquences de la guerre civile en Syrie sur l'État libanais et sur ses habitants ? Alors je crois que sans trop se tromper, dans cette région compliquée, on peut assurer que les conséquences sont évidentes, elles sont massives. Je rappelle que la Syrie a longuement occupé le Liban, que les liens sont étroits et que bien évidemment, cela a des tas de conséquences sur tous les plans, notamment économiques et politiques, et puis par l'afflux des réfugiés d'un camp comme de l'autre, qui viennent dans ce petit pays qu'est le Liban, ces réfugiés qui sont nombreux et qui viennent compliquer encore plus évidemment la situation libanaise qui par ailleurs est extrêmement fragile, précaire. Vous pointez surtout justement le poids des réfugiés syriens, on les estime à 511 000 aujourd'hui, sur une population de 3-4 millions d'habitants.
Alors il faut savoir que déjà le Liban a dû accueillir les réfugiés palestiniens, qui sont déjà en nombre important, et qui a été une certaine déstabilisation de ce pays. Pour ne pas donner l'impression de pérenniser la présence des Palestiniens au Liban et donc de ne pas en faire un fait accompli, le Liban n'a pas signé le traité international qui donne un statut aux réfugiés. Et par conséquent, lorsque d'abord les réfugiés irakiens sont venus, après le drame qu'a connu l'Irak, et puis maintenant massivement les réfugiés de Syrie, le Liban se trouve effectivement petit pays, autour de 4 millions d'habitants, devant accueillir des centaines de milliers de réfugiés, et peut aider, tout comme d'ailleurs la Jordanie, à cet afflux extrêmement difficile. Évidemment, ce sont des personnes qui n'ont pas de logement, beaucoup sont sous les tentes, n'ont pas évidemment de travail, n'ont pas de nourriture, n'ont pas de statut. Vous avez des contacts au Liban pour réforme ? L'Action des chrétiens en Orient a des contacts au Liban et les informations qui nous reviennent sont tout à fait dans ce même ordre. Je veux dire, le Liban était déjà un pays fragile avec des équilibres qui sont menacés. Et c'est sûr que quand un pays est déstabilisé par cette proportion de réfugiés, ça ne peut que fragiliser des équilibres qui déjà étaient précaires. Alors, à vous entendre, on a l'impression que la Syrie, en étant au Liban, avait un peu commis un couvercle sur peut-être les dissensions qu'on avait connues dans les années 80, puisque c'était l'occupant qui avait peut-être imposé sa loi et donné la paix. C'est exagéré que de dire ça ? Non, c'est vrai que ça a un peu figé l'état des forces. Oui. Donc là, aujourd'hui, ben, le couvercle est parti parce qu'en Syrie, ils sont plus à s'occuper de leur guerre civile. Il y a les réfugiés syriens qui sont installés. Est-ce qu'ils continuent sur place les combats qu'ils avaient entre eux, entre chiites et sunnites en Syrie ? Oui, un peu, mais il faut savoir que le Liban est un pays, comme nos téléspectateurs le savent bien, un pays tout à fait particulier, où coexistent de manière articulée les grandes familles religieuses, en particulier les sunnites, les chiites, les chrétiens dans les différentes confessions chrétiennes, orthodoxes, protestants, catholiques, et puis également les druzes. Mais cet équilibre, il est très fragile, il peut être à tout moment repris selon des mouvements démographiques, etc. Et donc c'est évident que ce pays, qui doit aussi d'ailleurs assumer un certain nombre de conséquences dues à la proximité des tensions entre Israël et Palestiniens, et risque vraiment d'avoir une déstabilisation terrible, puisque, comme vous l'avez souligné, effectivement, les réfugiés peuvent venir d'un camp et de l'autre. Il y a déjà des chiites, tout le monde sait que le Hezbollah est présent au Liban et proche du régime syrien. Il y a des sunnites et des chrétiens. Et donc tout cela peut être une occasion à tout moment d'une explosion qui peut renvoyer le Liban au drame qu'il a déjà connu. Oui, parce qu'on entend des diplomates dire que dès cet été, ça pourrait sans doute exploser au Liban. Est-ce que, par exemple, ce qui vient de se passer à Saïda pourrait faire partie des prémices d'un conflit ? Bien sûr, nous voyons… Enfin, Saïda, ce qui s'est passé, c'est que l'armée régulière s'est retrouvée à affronter des milices islamistes ? Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre quand même très massivement, c'est que, en même temps, ce pays est plein d'espérance, puisqu'il est aussi un lieu où se rencontrent les gens de ces différentes confessions et de ces différentes religions. Donc il ne faut pas imaginer simplement une guerre de religion au Liban, c'est aussi une rencontre. Et les différents groupes religieux contribuent quand même à une rencontre effective. Et si on regarde par exemple les populations de musulmans, les musulmans ne veulent pas de la guerre, les musulmans ne veulent pas du fondamentalisme. Et l'armée libanaise qui composait des différents groupes religieux en son sein a essayé de s'opposer à des extrémistes. Alors là, il se trouve que ce sont des extrémistes sunnites, ça peut être d'autres extrémistes, mais c'est vrai aussi que la fragilisation et les tensions favorisent toujours les extrémismes, évidemment, d'un camp comme de l'autre. – Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine ?– Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je crois que dans cette partie du monde, mais dans le monde entier, je veux dire, il n'y a d'avenir que si les gens s'acceptent dans leurs différences et arrivent à cohabiter ensemble. Et en cela, c'est vrai que le Liban pouvait être… une espérance, parce que c'était un lieu où il y avait effectivement de la différence qui cohabitait. Et la base de la, je dirais presque la base de l'éthique, de la relation à l'autre, c'est comment est-ce que je laisse l'autre dans sa différence et comment est-ce que je suis en relation avec lui-même. Et qu'en cela, le Liban peut nous en apprendre. Et c'est vrai que quand on voit cette déstabilisation,
et cette déstabilisation qui vient quand même beaucoup de la Syrie, je veux dire, qui vient beaucoup de cette tragédie totale. Je crois qu'il faut dire que partout, en toutes circonstances, la guerre, c'est toujours une tragédie. Et une tragédie, c'est quoi? Une tragédie, c'est un conflit dans lequel il n'y a que des mauvaises solutions, dans lequel il n'y a que des perdants. Et je crois que cette tragédie de la Syrie, malheureusement, est en train, par contagion, de gagner ce pays qui était le Liban. Alors, je lisais là une remarque du cardinal Torrent qui dit « Le Liban n'existe pas sans les chrétiens ». Dans le pays, les chrétiens sont ainsi, donc à ses yeux, un patrimoine du dialogue interreligieux et de convivialité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les chrétiens ont une carte à jouer pour, particulière pour justement sauver la paix? Au Liban comme ailleurs, d'ailleurs. Oui. Les chrétiens au Liban, d'abord, il y a un œcuménisme fort quand même, hein, parce que c'est un œcuménisme de voisinage qui est peut-être le plus bel œcuménisme, c'est-à-dire vraiment des populations dans leur profondeur. Bon. Cet œcuménisme est important. Donc, je voulais dire que ce n'est pas le quartier musulman, le quartier chrétien, le quartier... Il y a des zones de population majoritaire. Mais ça se croise quand même. Mais bien sûr, vous avez des écoles où il y a tenues par des religieux, des religieuses chrétiennes, qui font une action remarquable, où il y a plus de musulmans que de chrétiens. Dans les hôpitaux, dans les dispensaires, parfois, il y a plus de musulmans que de chrétiens. Donc, il y a vraiment un travail de reconnaissance mutuelle. Souvent, on voit un responsable musulman qui nous dit « Ah ben moi, j'étais à l'école des chrétiens ». Et qui connaît donc un peu notre culture. Je veux dire. Donc, tout ce travail est formidable et plein d'espérance. Et encore une fois, ce n'est pas un conflit chrétien contre musulman. C'est un conflit entre gens de bonne volonté qui veulent aider leur pays respectif, en l'occurrence ici le Liban, à progresser dans la modernité, et des fondamentalistes qui, comme souvent, veulent se réfugier dans une forme d'archaïsme. Et donc je crois que, encore une fois, il ne faut pas voir dans le conflit, que ce soit en Syrie, au Liban ou ailleurs, l'idée que l'ensemble des musulmans voudraient voir disparaître les chrétiens. Ce n'est pas exact, la plupart des musulmans veulent que les conflits s'arrêtent et veulent construire des pays modernes avec les chrétiens. Une remarque, Antoine ? Oui, et je crois que là, c'est un défi qui est posé à toutes les religions. On sait bien, je veux dire, que la religion est facteur de paix, mais que la religion, quand elle devient extrémiste, est facteur d'exclusion. Et je crois que tous les responsables religieux, et j'en suis, nous en sommes, avons cette responsabilité, c'est comment articuler la religion avec l'ouverture et avec l'accueil du prochain. Alors, le mot de la fin, Monseigneur, c'est que on pourrait ne pas avoir de guerre cet été ? Écoutez, il faut y travailler, c'est vrai que c'est inquiétant, il y a peut-être des actions à mener, par exemple, il y a des casques bleus dans le sud du Liban, on peut peut-être essayer de les déployer dans d'autres régions menacées, ce serait après tout une action dans l'intérêt de tous, il y a des actions à mener, ce ne sera pas un fait magique, il n'y aura pas de guerre au Liban si nous y agissons, si nous nous sentons proches d'eux, comme nous essayons de le faire à l'œuvre d'Orient et dans d'autres actions, et si nous les soutenons. Merci messieurs pour cet éclairage nécessaire sur un pays que nous aimons et qui réclame aussi nos prières. Merci à vous tous pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.